Et donc tout le monde, c'est l'histoire pour une vidéo présentation de ressources pack. Donc voilà, je présente un ressource pack que Seiden m'a fait et un autre qu'il a fait aussi mais que je vous souhaitais présenter mais qu'il a pas, qui est pas, qui m'est pas dessiné à la base, qu'il a fait mais il est vraiment sympa. Donc voilà, donc je vous, déjà n'hésitez pas, je mets la chaîne de Seiden dans la description, n'hésitez pas à aller vous abonner les amis, c'est très important pour lui, XDXD. Donc voilà, je vous montre un peu vite fait juste là les minerais de fer, un peu de tout là, ils sont pas contourés, c'est pas grave. Les minerais d'or, la sébaste émeraude, et là c'est les minerais de diams qui sont vraiment sympas, les minerais de diams contourés en rouge pour qu'on les voit comme il faut, enfin bref, voilà. Donc je vais vous montrer juste vite fait l'inventaire comme ça, transparent avec la haute barre rouge, assez sympathique la haute barre. Hop, je vais vous montrer vite fait les trois inventaires là, comme ça, ils n'ont pas été modifiés je crois. En bref, voilà, ça je crois qu'il les a pas modifiés. Donc ensuite, tous les items de bouffe machin, voilà, vous avez les pommes, les gapples, les pommes de nudge. Ensuite, je vais vous montrer toutes les épées. Hop, hop, nickel. Donc, vous avez l'épée bois, l'épée or, l'épée cobble, l'épée fer et l'épée diamant. Celui-là, c'est celui qui l'a fait, mais que j'ai pas, que je faisais présenter, qui était vraiment sympa. C'est le raid du UFC. Donc, ouais, il est plutôt cool. Moi, je l'aime bien personnellement. Aussi, au passage, la map, je l'ai récupérée sur YouTube en allemand. Je sais même pas de ça. Enfin, bref, voilà. Ensuite, vous avez. Hop, 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 hop. Je vais me mettre en gamma 0, comme ça je vais pouvoir me montrer le feu. Vous avez vu le feu là en bas, on le voit pas très, on le voit pas beaucoup, c'est pratique, ça gêne vraiment pas pour PvP. Donc voilà. Aussi les particules d'eau vite fait. Bref, ils ont rien d'exceptionnel. Hein. Ils ont rien d'exceptionnel. Bref, voilà. Ensuite, la rode. Qui est plutôt sympathique, la rode, franchement elle est bien jolie, elle est bien faite. L'arc aussi, moi je le kiffe vraiment. Faut que je m'en mette en game mode 1. Hop. L'arc est vraiment sympa. Et la Nord Perle, en plus, un peu animée dans le centre, plutôt sympathique. Vous pouvez voir au milieu de la Nord Perle que c'est animé. Et ensuite, au niveau des potions qui sont un peu spéciales, c'est plus sympa que UFC, mais après, elles sont jolies aussi. Quand on boit une potion, ça fait ça. Bon, ça, y a rien d'exceptionnel. Hein. Je vais vous mettre les bruits. F3A. Hop, voilà. Option, musique. Ouais, bon, ça marche pas. Bref, vous allez voir. Et les au niveau des particules, les bruits sont ça, les bruits de base de Minecraft, donc voilà. Pour les heals, c'est des cœurs. Et autrement, là, c'est les trucs comme ça, regardez, hop. Et du coup, quand on s'y met sur nous, là, vous pouvez voir, mes particules sont bleues. Voilà, elles sont mixées avec tout, en fait. Avec la force, c'est pour ça que ça fait un mélangeur d'un peu toutes les couleurs, là, ça se fait un peu plus rouge. Enfin, bref. C'est comme ça, c'est comme dans beaucoup de packs, les couleurs sont mélangées. Voilà, ensuite j'ai montré les potions, tout ça. Je vais montrer les armures. Donc, on va commencer par l'armure en cuir. Hop. Vous pouvez voir l'armure en cuir qui est assez classique, hein, elle n'a pas été modifiée. L'armure en cuir de base, je crois bien. Ensuite, l'armure en maille, elle n'a pas été modifiée. L'armure en or non plus. L'armure en fer, vite fait, elle a été modifiée. Je crois. Elle a été vite fait modifiée, donc voilà. La petite armure en fer. Des familles. Et ensuite, l'armure en diam, ce qui elle a été entièrement modifiée. Hop. Voilà. Je vais la mettre. Elle est vraiment sympa, l'armure en diam. Elle ressemble à ça. Avec le petit dégradé de rouge tout du long. Et voilà. Et ensuite, l'armure en diam enchantée. Hop, voilà. Je vais montrer l'armure en diam enchantée qui est plutôt sympathique. Elle est vraiment sympa l'armure en diam enchantée. Donc voilà. Hop, voilà. Et je vais vous montrer pour finir les coups critiques. Donc voilà. Les coups critiques et les particules de sharpness. Donc les particules de sharpness. C'est des petits trucs comme ça là. Des petites étoiles. Et les particules. Les particules de. Deux sharp, mais j'ai pas remarqué. Voilà, ça ressemble à ça. Et les deux en même temps, c'est assez joli. Ça ressemble à ça. Voilà, des petites particules bien sympathiques. Donc, ce qu'on va faire, je fais une petite ellipse. Je présente le deuxième pack. Et ensuite, je ferai un fight avec chacun des deux packs en but du HC. Donc, voilà. Donc, à tout de suite. Et donc, re tout le monde. Donc, voilà, on se retrouve pour la présentation du deuxième pack. Donc, celui-là, c'est le Blue Faux 32. 32-32, en gros, c'est juste les épées qui sont en 32.
Si en gros le reste est tout en 16, mais les JCP qui sont en 32, qui sont plus jolis en 32, by Seiden, lui qui nous a vraiment destiné. Donc voilà, donc je vais vous montrer un peu tout. Donc là vous avez les minerais d'émeraude, d'or, de diamants qui se ressemblent un peu du lapis, mais voilà, c'est du minerai de diamant. Et des minerais de fer qui sont tous contourés, ça c'est pratique. Sur celui-là, ils sont tous contourés, donc voilà, je vais vous montrer vite fait l'inventaire. Pareil, transparent, le même. Il y a juste le slot de la haute barre pour dessiner le slot qu'on a en bleu. Donc voilà. Ensuite, je vais vous montrer les petits inventaires qui n'ont pas été modifiés aussi cette fois-là, je crois. Voilà. Ensuite, vous avez les pommes qui sont comme ça, elles sont sympathiques, sont assez marrantes. Ensuite, le reste, c'est pas très important, c'est les soupes. Je les ai pas montrées dans le coup d'avant. Les soupes, voilà. Ensuite, vous avez les épées, je vais vous les montrer. Hop, hop, hop. Encore une fois, c'est toutes les mêmes, sauf que la couleur change. Donc voilà. Comme ça. Comme ça. Ça, c'est l'épée en or qui est un peu verte, mais bon, c'est pas grave. Bois, fer et diamant. Donc voilà, elles sont assez sympas, surtout en fight, franchement, elles passent bien. Elles passent bien. Ensuite, hop, hop. Le briquet qui a pas été modifié, je vais mettre en gemme 0 pour montrer le feu. Le feu, c'est le même que sur le pack. C'est le même que sur celui d'avant. Donc voilà. Ensuite, t'avais la rôde avec le petit bouchon bleu. La rôde un peu la même que sur l'autre pack, la rôde. Sauf en couleurs différentes. L'arc qui est comme ça. Il est classique, il est assez joli en bleu, comme ça il est plutôt bien fait. Enfin, bref, et l'enderpearl comme ça. L'enderpearl bleu, plutôt sympathique. Enfin bref. Du coup, hop, cette fois-ci, les potions sont beaucoup plus classiques. Mais je les préfère comme ça personnellement. Donc voilà, quand on prend un effet de potion, je vais juste prendre un petit seau de lait. Un petit seau de lait, hop. Les particules sont comme ça, les autres, les particules sont comme ça. Et ensuite, au niveau des particules, ça fait un mix des deux, pareil, c'est des particules un peu des rectangles un peu chelou. Enfin, des triangles, je veux dire, un peu chelou. Bref, voilà. Alors, ensuite, au niveau des armures, ça donne ça, l'armure en cuir, il n'y a rien qui est modif. Celles-là, elles sont modifs, par contre. Enfin, pas dans l'inventaire, mais sur nous, elles sont modifs. Elles sont vraiment sympas, les armures en fer. Même les armures en fer, elles sont plutôt sympathiques. Regardez, elles sont plutôt cool, elles sont modédites un peu. Donc, elles sont cool. Ensuite, l'armure en or qui est édite aussi. Pas dans la haute barre, mais pareil, elle est édite sur nous. C'est un peu, c'est comme le fer. Moi, j'aime bien ce style d'armure. C'est plutôt sympathique. Et ensuite, l'armure en diable, ce qui est entièrement édite. Même dans l'inventaire, elle est édite. Elle est vraiment. Même là, regardez, elle donne vraiment bien. Le bleu un peu clarifié. L'armure en diable, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Et l'armure en diamant, enchantée. Je vous la montre comme ça sert à rien de la mettre sur moi, en fait elle change rien. Donc voilà, l'armure d'âme enchantée comme ça, elle est vraiment sympathique. Donc voilà, et ensuite, 2 secondes. Désolé, j'ai éternué. Ok, merde, j'ai vidé mon coffre. Du coup, je vais mettre vite fait des petits sorcières, ça sera plus simple. Ok, c'est pas se mettre sur les tapis. Du coup, on va prendre une épée. On va prendre juste un stick. Normalement, il y a moins qu'on l'enchante. Hop. Du coup, les coups critiques. C'est comme ça, c'est bleu. Les sharpness, c'est bleu. Plus clair. C'est un bleu plus clair. Et si on met les deux ensemble, ça fait comme ça rend plutôt sympa. Ça rend plutôt sympa. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Voilà. Bref, donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc je vous fais mais juste un petit fight avec chacun des packs juste après. En but du haché, donc voilà, bah à plus tout le monde, ça sera non, même pas en fait, je dis ça, je vais le commenter parce que de toute façon, j'ai la flemme de mettre de la musique MDR, donc voilà, à tout de suite.
We'll be right back.